Salut mes petits culs! Et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Oh là là! Là, on a des feuilles qui tombent par milliers, par millions dans le jardin. C'est l'automne. On y est bien. Nuageux et frais. Oh, est-ce qu'on va échapper à la pluie? Oh non, Ludwig! Tu fais chier. On va prendre une douche. Tire aux toilettes. Et tire à manger. Ah oui, c'est vrai! Ils pleurent tous parce que Frida est décédée. Tristesse insupportable. Ouais. Bon, ça risque d'être complicado aujourd'hui. On est cassé les pieds! Les gosses! Enfin, le gosse! Le gosse, si je ne m'abuse aujourd'hui, devient ado! Ça veut dire que les votes vont arriver. Ta-da-ta-da, tam-tam-tam-tam. Tiens, Joris, toi, tu vas aller en bas. Pouf. Et tu vas manger aussi. Oh, c'est quoi ça? Il y a tout plein de merde. Qui pue. Hop. On va gagner des sous un peu quand même. Allez, j'attends que ce soit vert. Le feu est vert. Ouais. Par contre, on peut éteindre la musique parce que c'est-à-dire qu'elle a gueulé toute la nuit, quoi. T'as fait ce que je t'ai demandé, toi? Ah oui. Ah ouais, lui aussi. Ah, Gab, Gab, Gab. Gab, Gab, il se dit, je vais me laver. Je veux être propre pour le... Mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi, en même temps? Mais il est con, quoi. Mais va chercher à manger. Qu'est-ce que t'es venu dans la chambre? Honnêtement. Non mais... On m'explique là. Oh là là, moi je vous jure. Voilà, maintenant ils sont tous dans des états pas possibles quoi pour des conneries. Non mais franchement. Bon lui ça va, hein, et voilà. Oh putain. Ça va être une journée compliquée je pense parce que là on va avoir un Gabriel qui va claquer. Et son fils qui va fêter son anniversaire. Donc, est-ce qu'il va vivre assez longtemps pour voir son fils grandir? Ça, ce sera la question auxquelles il faudra répondre. Tiens, viens bouffer. Oui, je sais. T'es fatigué. Oh, t'es fatigué, t'es triste. Casser les pieds, oui. Regarde la télé. Ah, les pieds. Voilà. Oh là là, c'est chiant ça. Va manger, je t'ai dit, au lieu de pleurnicher. Espèce d'ado. Qu'est-ce qu'il a? Pleurer. Raison est triste. D'accord, écoute. Non mais... Il y a Gabriel qui en a rien à battre. Lui, il s'en fout que ça, la baisseur, elle soit claquée, en fait. Là, tu vas épicer. Tu vas essayer de remonter le moral des troupes, non? Essayer de réconforter. Ils sont tous... Ça, c'est quand même très chiant d'avoir fait ça. En fait, qu'on soit au courant que tous ceux qui meurent là, c'est pas possible. C'est très conforté. Mais toi, va pisser aussi, t'es con, quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'as besoin d'aller là-bas alors que t'étais à côté de lui, non? Bon, lui, il va en cours. Bon, il va mieux, lui. Mais c'est bien, va en cours. Non, mais c'est bon, va en cours! Oh, la longue vie de Gabriel. Oh, putain, c'est pas vrai. Mais non, mais... Ça va pas être possible là aujourd'hui, hein. Et toi, non, non, à peine il est à l'école qu'il est triste. Bah tu m'étonnes. Il reste qu'elle. Bon, est-ce qu'on lui, est-ce que, hein, on va s'accorder un dernier crac-crac? Ah bah non, ils peuvent pas. Oh oui, mais moi j'aurais voulu faire un dernier crac-crac, hein. Demander conseil. Vas-y, essaye de la réconforter. Shuna,
Bah oui, j'adore imiter les Sims. Ouais, tac tac, ils ont pas tous fini leur bouffe. Gabriel, est-ce que tu. On va gâcher la salade du jardin avec toi, c'est pas grave. Comment ça? Qu'est-ce que t'as dit? C'est bluff. Ouais, c'est l'anniversaire de Ludwig. C'est plein de problèmes. Ouais, bon, alors, et tu peux pas l'aider là? T'as pas réussi à lui remonter le moral? Zorps! T'attendais, tata, devenir meilleurs amis. Illuminer la journée. Ah, du coup, elle préfère s'habiller pour aller sortir les poubelles. Ok, bon, bah super. Ça commence bien la journée. Hein. Franchement, lui, il va claquer aussi. Tiens, tu vas profiter, tu vas nettoyer ça, tu vas nettoyer ça. Comme ça, au moins, tu seras utile pour ta dernière journée. Oh là 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 là. Oh non, mais non, ça peut pas être possible, quoi. Oh là 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 là. Influence à raison de conflit, bon. Voilà. Ratisser les feuilles un peu, vas-y, ratisse les feuilles. Ça te changera les idées. Il y a beaucoup à faire. C'est quoi ce chien là qui dort comme ça? Ah, c'est la chienne qu'on a vue l'autre fois. Bah d'accord. Hé! Hey! On va essayer de participer. Il y avait un truc là, il a dépopé. Là, il y a un raton laveur qui se balade. Ok. Voilà, elle ratisse les feuilles. Elle est encore. Mais en fait, ils vont crever avant que Ludwig soit adulte. Hein. Mais c'est horrible. Ils ont vraiment changé quelque chose dans la longueur de vie des Sims ou quoi? Faites des récoltes. Alors. Mais ça, on l'a d'ailleurs. Parce que c'est. Ouais, ils l'ont fait, mais. Faudrait que je vois parce que je suis pas sûre que moi ça fonctionne. Enfin, la seule fois que j'ai essayé, ça va pas fonctionner du tout. Est-ce que tu peux mettre les décorations fouillées pour trouver les décorations d'automne? Ah, ben voilà. Sélectionner. Décorer les tympans, les fondations, les clôtures, les corniches, les frises. Ça, non, je sais pas. Ça. Sélectionner pour les fondations. On en a des fondations, on va mettre ça. Sélectionner pour les corniches. Oh, mais non! Ça m'a viré le truc. Les corniches, j'étais. Les corniches, les corniches. Bon, c'est pas très intéressant, je vous l'accorde, j'en suis désolée. Ah oui, je peux peut-être cliquer là-dessus, ça ira plus vite. Ça, voilà. Allez, tu peux me faire ça, cocotte? J'ai envie de voir la maison décorée et si ça fonctionne. On attend de voir ça. En temps réel. On a des fondations, on a des corniches, sûrement, je sais pas. C'est un peu le bordel, c'est toi ici, en fait, j'ai jamais remarqué. Très bien. Bon allez, dépêche. Ah, il y a le petit chat de la dernière fois. Oh oui, ça y est! Oh, on a des loupiottes! Ah, c'est trop bien. C'est la première fois que j'arrive à faire une décoration de maison, quoi. Ah oui, ça y est, c'est décoré. Ça marche! C'est pas très visible parce qu'on a des buissons devant tout le temps là. Et le dernier truc, c'est quoi? Je me souviens déjà plus. Bah écoutez, je sais pas. Là, elle a fini de les mettre. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Ah oui, elle est partie ratisser les feuilles. Bah non, c'est mignon, hein, on va.
C'est trop bien. Bon, lui, il a fini de faire le nettoyage. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi il y a des poules? C'est quoi ce merdier? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, les tympans. Les frises. J'en sais rien. On va faire jaune et blanc. Tiens, vas-y. Qu'on regarde un peu. Je sais pas ce que c'est les frises, mais je sais pas ce que tu m'as foutu là avec les poules, mais. Ah, mais on a des petites clôtures quand même, hein. Bon, alors ça n'a pas marché du tout. Arrête de redescendre. Qu'est-ce que tu m'en kikines? On va faire les clôtures. Les clôtures. Les clôtures, on va faire comme ça, du coup. Hop. Allez, vas-y. Parce qu'on a les petites clôtures là. Putain, mais comment elle a fait pour être aussi loin en 3 secondes? Ah, bah voilà! Regardez. Ouah! Voilà, hein. Et alors, il y a des trucs, je sais pas ce que c'est, les tympans. C'est un truc avec la toiture, il me semble, mais alors. Aucune idée, quoi. Je suis pas très douée. Bon, en tout cas, on a réussi à décorer la maison pour la fête des récoltes, et ça, c'est cool. Bon, elle est repartie ratisser ses feuilles. Bah écoute, hein, ça t'éclate. On va pas t'interdire, hein. Gabriel, regarde la télé. Va manger plutôt, cocotte. Va bouffer. Tu seras utile. Oh là là. La tristesse! Tu sais, tu peux appeler SOS Tristesse. Tiens, vas-y. Pendant que tu manges. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais où est-ce qu'elle va? Mais il y a des problèmes dans ta vie, ma petite, hein. Mais arrête de ratisser les feuilles, à bon sang! Ouais, donc les gosses sont déjà de retour. Est-ce que ça va mieux? 10 h, 15 h. Arrête avec tes feuilles! Mais c'est pas vrai. Alors, attention, il y en a une là, elle est mortifiée. C'est donné par l'encouragement. Ok, toi, effectivement, on va vous faire pleurer profondément dans vos lits. Je vais vous péter les noix. Et tu sais quoi? T'appelles à SOS Tristesse aussi après. Toi, tu vas aussi pleurer. Bah pleure, tu me casses les couilles. Surtout que Gabriel, il va claquer, donc bonjour, quoi. Ça va être... voilà. Tac, tac. Ah, il peut pas, lui! Bah, tu vas pleurer un coup. Litvin! Lidevine, tu vas aller aussi pleurer dans ton lit. Non, pas dormir. Voilà. Tu vas aller pleurer, 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 pleurer. Parce que bon, ils vont mourir de tristesse un jour, moi je les sens comme ça. Tu vas te cacher. Maître Loutigoli. Allez. Opération win, wine, wine, wine. On va winner un petit peu. Un petit peu. Là, tu vas bouffer ou quoi? Tu manges. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas partir avec tes feuilles? Putain, mais... Eh. Oh! J'ai dit non! T'es en train de foutre des feuilles dans ta salade. Je sais que t'aimes les feuilles de salade, mais quand même. Oh putain, je vous jure, celle-là, elle est complètement pétée en deux. Bon, Gabi, est-ce que t'as encore des trucs à faire? Nettoyer, réparer... Oh là là, concert de... Oh là 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 là. Cache-toi. Cache-toi. Et cache-toi. Et puis tu vas te donner des paroles d'encouragement encore. Oh là là, les gosses... Tiens, Garance. Ouais. Vas-y.
Donc Gabriel, ben, on va attendre doucement mais sûrement que tu t'éteignes. Ou alors, est-ce que je te collerai pas dans un coin, là, entre quatre murs, et puis on t'attend que tu crèves comme ça. Ça me paraît pas mal, ça. Comme ça, ils pourront pas aller voir, vous voyez? Moi, je suis un peu sadique sur les bords, hein. Donc, tu vas venir, tu fais pipi, là, et tu vas venir là. Oui, je suis sadique. Et alors, c'est quoi votre problème? Mais j'ai pas envie qu'ils assistent à sa mort. Ils sont déjà relous comme ça. Il va peut-être mourir dans le jardin directement. Alors, pile, il est pile dans. C'est parfait. Mais non, je suis pas en dehors des limites du terrain. Voilà. En plus, il est coincé dans les fondations. Je suis un monstre. Il est coincé dans les fondations. Ah non! En plus, ça fait les. C'est trop mignon parce que ça fait les trucs directement. Mon gars. Non, alors, je retourne en mode vie. Tu vas retourner, mon petit. Genre là. Ça y est, je sais plus utiliser la souris. Voilà. Là. On va te faire un joli petit carré. Ah! Et là, il est monté. Donc là, ça veut dire qu'il va crever là-dedans. Je suis désolée, Gabriel. Je suis un monstre. Non, mais vous imaginez, je mets les murs, il est là-dedans. Mais quoi, il a des jolies décorations. Hein, c'est pas comme si. Voilà. Moi, j'y peux rien s'il crève ce jour-là. Hein. C'est pas. Moi, j'y suis pour rien, c'est son problème. Est-ce qu'ils vont mieux? Non. Toi. Il m'a cassé les chiottes! Oh, quel enfoiré! Ouais, j'ai pas le temps. Toi, tu vas essuyer. Voilà. Oh, c'est quoi ces or... Mais c'est quoi ça? D'où ça vient? Toi, va pisser, va te laver, va manger, fais ta life, Joris. Les autres là? Ouais, va manger. T'as raison. Elle a l'air de nouveau triste, elle. Appelez SOS tristesse. Toi, elle fait ses devoirs. Garance a répandu des ragots juteux sur Lucie. Mais qui est Lucie? Je ne sais pas qui est Lucie. Non, on va pas passer. On a des trucs à faire ici. Oui, je sais. Tu peux appeler SOS Tristesse, s'il te plaît. Tu peux aller pleurer dans. La chose je fais dormir, c'est l'habitude. Tu peux aller pleurer. 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 Pleurer, pleurer et pleurer. Ça nous facilitera la tâche. Alors, qu'est-ce que tu veux comme conseil, mon petit? Contrôle des émotions et ou l'empathie. On va influencer l'empathie. Voilà. Mais elle va mieux, hein? Ah là, elle en peut plus. Elle a raconté potin familial. D'accord. Discussion thérapeutique, appel à grève. Ok. Et en fait, je voulais regarder un truc. Toi, t'as. Ok, ils sont pétés en deux. Reprendre gâteau au chocolat. Ce que je voulais, parce que je ne savais pas qui était Lucie, donc on va regarder. L'arbre généalogique, donc Frida est morte. Oh, Roald, il est devenu vieux. Mais pourquoi Yor, il est pas venu vieux? Alors que c'est lui qui est né en premier. Bref, Lucie. Non, elle, c'est Hélène. Elle, elle a eu deux garçons. Igor, il a eu deux garçons. Harold. Manon. Et Justine. Mais c'est qui, Lucie? Oh la vache! Oh là, mais il y a du bug, là. C'est qui, ça? J'ai un arbre généalogique qui est un peu pété, hein. Ouais, Gabriel. Ok. Là, on est sur Lorelai.
Mais pourquoi on est... Genre, on va dire elle. Ouais, ok. Louis, mais pourquoi tu mets pas... Pourquoi elle est si belle, elle est belle, elle apparaît pas, c'est très bizarre. Mais what? Bah elle est pas la grand-mère de Gabriel? Nick. Oh lolo, l'arbre généalogique, il est pété du cul aujourd'hui. Bref, alors parler de Lucie, je sais pas qui est Lucie. Ah, attendez, Lucie. C'est pas dans sa famille à lui? Non, c'est Lisa. Bah écoutez, je sais pas. Là, c'est. Je ne sais pas. Mais quoi? Mais t'es con, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais d'accord, c'est lui qui refait le gâteau. Mais. Choris! Mais oui, c'est l'anniversaire des deux garçons aujourd'hui! Oh là 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 là. Comment tu vas, Gabi? Ça va? Il semble bien. Mais va aux toilettes, toi, t'es. Mais ils sont cons, ces Sims ou quoi aujourd'hui? Moi, je sais plus là. Oh là là, Joris, tu te mets à la cuisine? Ouais, je sais pas ce que t'as foutu, mais. Par contre, je soupçonne de se taper dans le gâteau dès qu'il sera sorti parce qu'il a faim. Donc, ça va pas le faire. Hein. Moi, je te le dis direct. Hey. Pose-le ton gâteau. Pose-le ton gâteau. Vas-y, c'est. Hein? Vas-y. Mets les bougies. Toi, tu veux aussi appeler les SOS Tristesse. Vous cassez les pieds. Ça y est. C'est bon. Tout le monde est. Tout le monde est prêt pour l'anniversaire. Cool. Oh my god! Non mais c'est bon là! J'en ai marre! Mais ils vont faire que pleurer pendant combien de temps? Samuel Roussel, c'est pas le mec de. De Igor? C'est pas possible. Ah! Mais ça y est, il y en a un autre qui craque aussi. Adieu, Gab! Adieu! Tu m'as un peu dépassé, ouais, c'est sûr. Soso, ouais. Salut. À bientôt. Je fais pause. Toi, tu vas regarder la télé. Attendez. Alors, attendez, parce que là, hein, bon. Lui pleure, elle pleure, elle est triste. Pff, ok. Tu vas regarder un film. Tu vas regarder la chaîne Humour. Allez, on est à fond dedans. Ton mari, il vient de passer l'arme à gauche. C'est pas grave. Après, on va faire grandir les garçons. Il est à moitié pétain. Ah, la faucheuse, elle est là. Non! Putain, ça y est, c'est parti. Je t'ai dit de regarder la télé, espèce de bouffonne. Oh, j'en ai marre. Tiens, toi, tu vas nettoyer. Tu vas aller manger un truc. Oh non, mais là, servir le dîner. Un haricot saucisse, voilà. Toi, tu continues de pleurer, c'est très bien. Tu sais ce que tu vas faire après? Tu iras prendre un bain de mousse. Toi, tu manges, c'est super. Vraiment, je suis ravie pour toi. Qui c'est qui pleure? Ah, c'est le petit! Voilà, pleurer, pleurer, pleurer. La faucheuse fonce son boulot. Mais qu'est-ce? Tu assistes à rien, Joris! Tu insistes à rien, j'ai dit. Ah, oh, c'est pas possible, je déteste. Oh non, mais vraiment. Voilà, hein,
C'est l'épisode catastrophe, là, un petit peu. Tout part en vrille. Va savoir, on n'a pas fêté son anniversaire, donc il sera encore plus triste. J'en peux plus. Ils vont tous crever, quoi. Alors, il y a des geeks. On va mettre végétarien, tiens, pour faire un honneur à son daron. Qui vient de claquouiller. En aspiration, je n'en sais rien. Je me souviens pas de ce que j'ai mis. Connaissance. Ouais, érudit en archéologie. Ouais, ça me plaît. Alors, fais voir à quoi tu ressembles. Oh, mon. Ouais, je vous avais dit, il a le nez de Cybèle et de Heidi. Et les pommettes et le menton qui veulent pas s'en aller. Hein. Ça, c'est. Oh, c'est quoi ces sourcils? Gris. Ok, puis alors t'es gros. Donc ça va pas le faire. Non, mais j'en ai marre. Vous pleurez là. Tu as pleuré deux fois. Et tu vas courir pour te vider l'esprit. Et bien comme il faut. Là, franchement, vous me cassez les couilles. Bon, ben, Joris, c'est ton anniversaire. Hein. Donc tu vas fêter ton anniversaire. Hé hey! Ah, j'allais dire. Il m'a laissé le cadavre. Non! Non, c'est bon. Fais pas ce que je t'ai demandé. Maman, elle est là. Regarde. Ah, ça y est, elle le sait aussi. Oh là 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 là. J'en ai marre. Ouh, c'est le bordel complet. Ah, bah, elle est bien. Elle s'est dit, tiens, j'ai passé un coup de fil, tout ça. Machin, bon, bref. Bah, écoutez, tant mieux, hein, si elle. Eh bien. C'est bien. Joris, qu'est-ce que c'est ça? C'est maman. Maman, elle va reprendre les haricots et saucisses et toi, tu vas faire ton anniversaire. Hop. Allez, les garçons! Je sais qu'à Escoufa. Va fêter ton anniversaire. On a la putain de tombe. Hop, on va la mettre là. T'as vu la faucheuse? Ah oui, je me gênais pas, je me dis, mais je comprends pas. Et voilà, il a grandi, donc il a été pitre membre d'un groupe de potes. Il est bien élevé et pas responsable. Et il aura un trait de merde froid. De toute façon, on s'en fout, puisqu'il sera sûrement pas l'héritier. Parce que je sais très bien que vous préférez les filles. Donc il n'y aura pas trop de choix pour les voilà. Va courir, hein, toi. Ah! La faucheuse, elle vient bouffer avec nous! Bah, bien sûr, bah oui. Alors, il est bon, le Mais non, quoi! C'est ridicule. Toi, t'as remonté ton truc. Allez, vas-y. Fais ton truc. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non. Alors, c'était bon, la faucheuse. Tiens, Joris, tu peux lui demander présentation polie. Bah oui, parce que t'es bien élevé, dis donc. Ah, bah les filles vont mieux. Le petit coup de fil aide bien, Tiens, qu'est-ce que ça fait? Taquiner de manière délicieuse. Niveau 9 de cuisine pour Heidi quand même, c'est quand même plutôt pas mal. Complimenter la tenue. Rat de bibliothèque. Ah bah il s'en va. Voilà. Bon, lui, en tout cas, il va bien. Donc, il pourrait remonter le moral à votre son frère qui est parti. Non, de sa mère. Allez. Illuminer la journée. Faire l'imbécile. Parce que là, elle est quand même dans un état pas possible. Hein. Il peut rien faire. Comment ça s'est passé la journée au fait? Oh bah j'ai ma soeur qui est morte hier soir, mon mari là. C'est une superbe journée là, vraiment.
Dans le genre, on est bien. C'est quoi cette coupe, Ludwig? Bon, ça passe encore. Là, il n'y a rien qui va, quoi. Il a quatre moodlets de tristesse. Et un acte 3, mais c'est pas des moindres, quoi. Bon, mange tes haricots saucisses, là, tu vas péter sa mère. Et puis, quand le petit Ludwig revient après son footing, on va le relooker un petit peu. Hé, hey, mais regardez qui voilà! C'est Joséphine! Salut, Jojo! Tu veux rejoindre notre maison ou pas? Mouah! On est pas... s'endormir. Attends, attends. Yes! On peut l'adopter! Oui, ça y est, il était temps! Oui! Attendez, Joséphine, elle s'en va là. Non, on veut... Ah! Elle est partie! Jojo! Jojo! Pff, Heidi! Ah, il est out! Non, tu appelles... Oh là, je sais plus... Joséphine. Oh mais putain, ils ont tous la même tête, les chats. Oui, je sais. On va ranger les haricots saucisses aussi. T'appelles la mignonne, la petite chatte, et puis c'est bon. Toi? Toi, attends, toi. Toi, mon tout, mon roi. Toi, mon toi. Tu vas aller manger avant. On va te relooker après, t'inquiète pas, mon gars. Hop, elle a largué un P, là, c'est bien dégueulasse. Voilà, j'ai installé une poule et la citrouille là. Et voilà. Alors, bien sûr, il est passé minuit, alors il pleut. Voilà. Il n'y a pas un seul épisode où j'ai pas de la pluie, moi. Franchement, ça commence à devenir chiant, on va dire. Et voilà à quoi ressemble. Il est affreux. À quoi ressemble Ludwig? Alors, il ressemble vachement à Igor et à Harold, hein, quand même. Voilà, en version bouquin avec des sourcils gris. Bon, je le relook et je vous retrouve après avoir relooké là, parce qu'il y a quand même pas mal de taf. Voilà pour le relooking de Ludwig. Je lui ai mis une jolie petite coupe de soirée de luxe. Je lui ai mis un petit bouc parce que ça adoucit un peu son menton, un peu. Voilà, on peut rien faire par contre pour les joues. Enfin, si, en mettant plus de barbe, mais pour l'instant, c'est qu'un ado, hein. Il a pas besoin de plus grosse barbe. Voici son premier look de journée, son deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue de maillot, sa tenue temps chaud, sa tenue temps froid. Et voilà, on est reparti pour affronter les pleurs de la famille Ugly. Voilà, tiens, si toi t'appelais aussi rapidement SOS Tristesse avant d'aller te coucher. Et elle appelle aussi, et puis après elle va espiauter. On va éteindre. Ça descend pas mal. Pauvre, pas trop là. Mais non, mais 2 jours encore? C'était descendu à quelques heures. C'est quoi ce délire? Après, elle ira dormir. C'est quoi que j'entends? Ah bah non, j'entends pas parler. C'est Ludwig qui parle au téléphone, oui. Oh, c'est chiant. Hein. Père un parent, bah lui il le sait. Bon bah écoute, va te coucher et puis on est bien et puis voilà quoi. Donc c'est parfait et elle aussi elle va se coucher. Eh bien moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode un peu spécial, un peu catastrophique, un anniversaire raté, une mort, un autre anniversaire. Bref, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous pour l'épisode prochain, parce que oui, je ferai un épisode prochain avant les votes, pour clôturer la semaine en fait des épisodes. Et les votes seront lancés donc avec l'épisode prochain pour que vous fassiez une idée. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt. Salut!